Nous avons également les carrés, qui est une forme géométrique. Alors, pour construire ou ça, pour dessiner un carré, nous pouvons faire ceci, placer les points pour pouvoir, vous voyez, voilà un carré. Nous avons un carré qui est une forme géométrique. Et sur un rectangle, quand nous parlons d'un rectangle, c'est une forme qui a quatre angles, mais pour les carrés, c'est quatre côtés. Encore, nous avons également un triangle. Un triangle qui est une forme géométrique. Pour construire ça, nous plaçons les points suivants. Pour trouver la forme géométrique. Voilà. Nous avons la dernière forme qui fait l'objet de notre apprentissage. Les triangles. Alors, chers élèves, quand nous parlons, n'est-ce pas, de triangle, c'est une forme géométrique qui a trois angles. Contrairement à la forme géométrique qui est ici, les rectangles qui disposent ou ça qui contient quatre angles. Alors voilà, chers élèves, nous voilà arrivés à la fin de notre leçon portant sur l'étude des formes géométriques que nous avons au tableau. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.